Alors, activité préparatoire. J'ai un saladier là. Dedans, je mets 67. Donc, en barre de 10 et en unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. J'enlève une. 6 dizaines. Et puis, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Je vais retirer 2 barres de 10. Je vais retirer 2 barres de 10. Vous m'écrivez sur votre ardoise combien est-ce qu'il va me rester dans mon petit saladier. J'ai mis 67 et je retire 2 barres de 10. Combien est-ce qu'il va me rester? Je vais le dessiner sur le tableau. Peut-être que je mette le tableau droit. 67, c'est 6 barres de 10, c'est-à-dire 6 dizaines et 7 unités. J'ai dit que j'enlevais 2 dizaines, 1, 2. Il va donc m'en rester 4 et 7 unités. Il va me rester 47. D'accord. Attention, je refais autre chose. Je mets 58 et j'enlève 23. Je mets 58 et j'enlève 23. Combien est-ce qu'il va me rester? Vous mettez sur pause et puis vous me reprenez pour la pause. 58, c'est 5 dizaines et 8 unités. Et je vais enlever 23. Donc j'enlève 2 dizaines et j'enlève 3 unités. Il va me rester 3 dizaines et 5 unités. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire 58 moins 23. Ce qui fait 5 dizaines, 8 unités, moins 2 dizaines et 3 unités. On est d'accord avec ça? Je vais colorier mes dizaines en rouge. Tac. Et mes unités en bleu. D'accord? À partir de là, c'est beaucoup plus facile. 5 dizaines moins 2 dizaines. Hein. On enlève les dizaines et les dizaines. On ne va pas commencer à enlever les dizaines et avec des unités. On ne mélange pas les choux et les carottes. Hein. On ne mélange pas les dizaines et les unités. Donc 5 dizaines et on enlève 2 dizaines. 5, on en enlève 2. Il nous en reste 3. 3 dizaines. Que j'entoure en rouge pour bien que vous voyez que ce sont des dizaines. J'ai mis une dizaine, pardon. 8 unités moins 3 unités, il me reste 5 unités que j'entoure en bleu. 3 dizaines et 5 unités, ça me donne 35. D'accord? Donc c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez dans votre fichier. Déjà, vous allez recommencer avec moi. Vous allez me faire cette fois-ci 68. Combien? 68 moins 45. 68 moins 45.
Vous me le faites comme ça. Cette manière-là. Allez-y. Je vous laisse faire pendant que je l'efface. Allez, 68 moins 45. 68, c'est 6 dizaines, 8 unités, moins 4 dizaines et 5 unités. On garde bien les dizaines et les dizaines ensemble. 6 moins 4. Il m'en reste plus 2. 8, on enlève 5. Ah, j'ai oublié, hein. 8, on enlève 5, il nous en reste 3. Ce qui nous donne 23. Ah, c'est comme ça qu'on calcule. Donc, dans le premier exercice de votre cahier, ici, là, vous devez m'en faire plein. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à colorier les dizaines en rouge et les unités en bleu. Ça peut vous aider. Et si vous n'y arrivez encore pas, vous les dessinez. Vous dessinez le nombre de départs, puis vous enlevez ce qui est là. Vous enlevez ici 3 dizaines et puis 2 unités sur celui-là. D'accord ? Les deux autres exercices, vous devez reculer sur la bande numérique. Quand on enlève 23, on enlève 2 dizaines, donc on recule 2 fois de 10 et on enlève ensuite 3. C'est ce qu'il vous montre ici. Quand on enlève 23, on recule d'une fois 10 et encore une fois 10, donc de 2 dizaines, on enlève 2 dizaines et ensuite on enlève 3. Donc quand on va enlever 24, et vous avez le droit de compter, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, d'accord ? Vous reculez. 24, c'est bien 2 dizaines et 4 unités. Vous reculerez de 2 dizaines, de 2 fois le 10 et de 4. Et 35, vous reculerez de 3 fois le 10 et de 5. Et ici, c'est la même chose, mais sans la frise. Vous pouvez quand même l'utiliser là-haut. C'est sans la frise. Ce qui veut dire que 98 moins 26... C'est la même chose que 98 moins 2 dizaines. On enlève d'abord les dizaines. Et après, moins 6 unités. 98 moins 2 dizaines. Les dizaines, c'est le 9. Les unités, c'est le 8. Donc, quand on dit moins 2 dizaines, on va enlever 2 ici. On va mettre le numéro. Et ensuite, on enlèvera les unités que l'on enlèvera au 8. Je vais vous en faire un exemple au tableau. Celui-là, 68 moins 45, c'est 68. On va d'abord enlever 4 dizaines. Donc c'est ici les dizaines. 6 moins 4, ça fait 2. On garde les unités. Et ensuite, on va enlever 5. Moins 5, hein. D'abord, on enlève aux dizaines, ici. Ensuite, on enlève aux unités, ici. C'est pas facile, hein, en général, ce chapitre-là, 8 moins 5, ça fait 3. D'accord ? Donc, 68 moins 45. Et 45, on le retrouve ici, 4 dizaines, 5 unités. Il n'est pas facile, le dernier exercice, parce que parfois, vous ne voyez pas où est-ce qu'il faut enlever les nombres. Donc, bah, bon courage. J'espère avoir été à peu près clair. C'est pas facile avec la caméra. En plus, je peux pas voir chacun d'entre vous, voir si vous avez compris. Je compte sur les papas et les mamans pour m'aider. Bon courage, les papas et les mamans. Et puis, on se retrouve pour une autre petite vidéo. Je vais vous expliquer ce que je veux que vous fassiez à partir de la recette que j'ai faite là sur YouTube. Donc, à tout de suite.